Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis en compagnie de Notorious Jack pour une nouvelle vidéo de Sir Purin en vadrouille. Salut, salut tout le monde. Alors nous allons parler d'un nouveau mode qui est fait, c'est Become King of Riverrun. Voilà, qui a l'air d'être un bon mode, mais comme d'habitude, on attend de voir ça avec vous. Voilà. Alors, tout d'abord, avant de commencer cette vidéo en vous présentant le mode, etc., on va vous parler du troll qu'il y a eu sur ce mode-là, que moi, personnellement, je trouve complètement inutile et dégradant pour la personne. Je sais pas ce que t'en penses, Tenko, mais... Le mec, en fait, visiblement, il s'est fait troller par rapport à sa vidéo. Alors, on en parlait tout à l'heure, vite fait, entre nous, avec Notorious Jack. Bien sûr. Mais pourquoi c'est pas par là, c'est plus au nord. Plus au nord ? Ouais, c'est vraiment entre les deux. Ok. Pourquoi troller un mec qui travaille pendant des jours pour vous, pour votre plaisir à vous ? Et tout cela gratuitement. Gratuitement ? Alors, ne vous inquiétez pas, hein, chers viewers, nous on sait très bien que vous n'êtes pas comme ça parce que vous êtes nos fans, hein, tant qu'à faire. C'est... Attends, remets la carte. Ouais, vas-y. C'est un peu plus par là. Tu vois, à la bordure entre les deux. Là, Ouais. Ok, bon, alors je mets mon marqueur et je me dirige vers là pendant que Notorious Jack nous parle du mode. Voilà, alors, bon, je vais vous dire deux, trois points. Hein. Je vous présente un peu je vous fais l'introduction de ce mode. Alors, vous avez toujours voulu posséder une ville géante et un château. Seul votre bravoure vous récompenseront dignement. Voici votre chance. Become King of Riverhelm vous donnera cette opportunité. Dirigez le peuple du roi et ses chevaliers. Laissez-vous guider dans ce voyage et devenez Jarl. Mais bien évidemment, tout ceci a un prix. Alors voilà. Ça nous donne l'eau à la bouche, hein. Ouais, on peut venir. Franchement, ça peut être sympa. Tiens, un petit bandit. Je crois qu'il va douiller. Je crois qu'il va douiller. Elle douille, voilà, ça t'apprendra, connasse. Je suis un Jedi, moi. Ouais, nom de Dieu, on n'emmerde pas, Sir Purin. À poil. À poil. Toujours à poil. Et maintenant, pars-toi. Allez hop. Salope. N'empêche, ça me fait toujours autant délirer de voir que les femmes sont super sexy dans ce game. Ouais, il y a un mode qui améliore leur corps aussi. Il était nécessaire pour je sais plus quelle armure. Donc du coup, je l'ai installé. D'accord. Mais ça me fait toujours autant marrer. D'ailleurs, il y a une, je le dis, mais il y a une protection que j'ai rajoutée. En fait, si vous voulez, on a le choix par rapport à ce mode qui améliore le corps des femmes. Mm-hmm. Soit elles sont à poil, soit elles sont en sous-vêtements. Mais à poil vraiment, c'est modélisé. Avec les nichons, les tétons. Voilà. Donc évidemment, pour les vidéos, il est hors de question que... Oh bah non, on faudrait qu'on se fasse une séance interdite au moins de 18 ans, on pourrait se marrer, hein. Ouais, mais sur YouTube c'est pas facile. Oh, qu'est-ce qui se passe là, précisément, il y a un truc. J'ai cru entendre un bruit, mais... Ouais, un loup qui a dû gueuler. Pas là. Tiens, là, regarde, ils sont à droite. Ils sont à droite. D'accord. Voilà. Ah tiens. Ça, c'est un bon coup de matraque dans la gueule. Allez, descend le loup. Un bon coup de sabre laser. C'est clair. Voilà. Alors, à ce qui paraît dans ce mode-là, pour revenir un peu sur Become King of Riverrealm, il y aura une mine. On pourra acheter une mine, en fait. Ouais. Donc, et une mine qui sera rentable, qui vous rapportera de l'argent, etc., etc. Ça, c'est très bon, ça. Il y aura sûrement, enfin, d'après ce qui est dit, un manoir. Donc, on attend de voir. 50 PNJ. Ça, j'en attends beaucoup, ça. Je vais les compter. faudrait qu'on arrive à tous les croiser. Aussi. Ouais, non, mais t'inquiète pas, on va y arriver. Alors, je suis où, là, précisément? Ah, t'as dépassé. Ouais, mais il n'y avait rien par ici. Bon, bah, à mon avis, ça doit être un peu plus au nord, encore. Je vais enlever le marqueur, parce qu'il va me perturber. Et enfin, ce qu'il y a, grand retour d'une arène. Comme dans Oblivion. Oui. Ah, regarde ça. Un mignon petit Ragnar. Fous-moi la paix. Voilà. Je profite de la vue. Non mais... Je veux qu'il fasse beau. J'attends 24 heures pour qu'il fasse beau. Voilà. Qu'on voit bien le château quand même.
Donc ouais, une bonne petite arène. Est-ce qu'il y a des monstres dans cette arène? Nous ne savons pas. Nous ne le savons jamais. Vous connaissez le principe de la vidéo. Après, j'en ai pas trop. J'ai essayé de zapper 2-3 détails pour pas être trop spoilé non plus. Bien sûr. Parce que j'ai envie de découvrir aussi en même temps que vous. Mais j'ai essayé les détails. Il y a une arène. On sait qu'il y a une arène. Le plus. Ah, tu devrais arrêter. Ça y est, il fait beau. Alors, regardez-moi cette magnifique. Alors attendez, est-ce que c'est Blanche Rive? Oui. Donc on s'en fout. Voilà. On continue. Sur le moment, j'ai cru que c'était autre chose. Non, c'est Blanche Rive. Par contre, c'est peut-être bien la grotte. Un petit peu de lag. Oh, vous savez que c'est pas de notre attention. Hein. Allons-y, let's go, c'est parti, les amis. Y'a rien ici. Il y a une grotte. Il y a un mec qui se ramène. Moi, je suis sur le principe qui va. Juste une question pour moi par rapport à. Je pense que. En cri, t'as rien. Ah, si. Si. Ouais. Autant pour moi. Voilà. Et toi, le problème, c'est que c'est tout dans l'écrit, toi. Non, c'est juste que. Il a dû avoir un PSB pour. Il a dû avoir un PSB pour Sirpur. Putain, c'est quoi ce lag? Oh non, c'est pas cool le lag. Ouais. Très jolie. Très belle tenue. Je la connais pas celle-là. C'est une nouvelle tenue de cuir? Tenue qui lag. Non mais là par contre le lag c'est pas cool. Faudrait que ça se calme. Surtout qu'il n'y a aucune raison que ça lag là. C'est peut-être un programme que t'as mis, je sais pas. T'as bien tout fermé. Ouais, j'ai fermé tout ce qui était nécessaire. Non, la grotte, je me souviens, c'est une grotte de bandits, je cherche pas. Ouais. Les ennemis qui me font chier. Oh puis je me casse. Surtout que. Alors ici ça a l'air de laguer. Ouais. Je ne sais quelle raison. Ils veulent pas qu'on aille dans cette grotte, et ben nous n'irons pas. Alors Sir Purin, il a les cheveux roses maintenant. Ouais. Ah, je sais pourquoi ça avec ça. Alors Warzone, j'en ai peut-être parlé un petit peu, c'est des zones de combat. Donc là, c'est la guerre entre les impériaux et... Non, les sombrages et des bandits, visiblement. Il y a du fight. D'accord. Pourquoi il y a des trucs rouges? Alors les trucs rouges, c'est sûrement ici que devait se situer notre château. Mais visiblement, ça n'a pas fonctionné, peut-être à cause justement du mode de la Warzone. Parce que ça se situe au même endroit qu'une Warzone. Donc je pense que je vais devoir désinstaller la Warzone pour ce mode. Donc je vais sauvegarder dans le coin là. Ouais, je vais m'éloigner un petit peu. Et on va faire une petite coupure. C'est peut-être pour ça aussi que ça lag. Hein. Ouais. Parce qu'on se rapproche justement d'une zone de conflit. De conflit entre deux modes. Donc, d'ailleurs, on a de la chance. J'avais raison. C'est dans cet endroit. On a de la chance que ça n'ait pas planté. C'est vrai. Voilà. Donc, on se retrouve juste après. Donc, voilà. Ouais, tout ça. C'est le château qui va nous intéresser. On vous remontre encore une fois où c'est. Oula. Voilà, c'est là. Alors, il y a toujours les points d'exclamation rouges là-bas. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. On ne sait jamais. Ouais. Mais on préfère vous prévenir en même temps. Il y avait des modes en conflit, en fait. Il n'y avait pas uniquement celui dont je vous ai parlé, hein, Warzone. Il y avait aussi... Alors déjà, c'est des rouges gardes à l'entrée. En tout cas, avec les rouges gardes. Oui, il se regarde quand je rentre. Il vous faut quelque chose? Pour quelle ville? D'accord. Je peux lui dire que j'ai vu des envahisseurs et je peux lui demander de sonner l'alerte. D'accord. Bon, sonne pour voir. Il répond pas. D'accord. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ce petit jeu-là, c'est duré. Voilà. Par contre, le lag est insupportable. Ah, c'est pas toi qui le vois. J'aimerais bien tourner, mais. C'est pas toi qui le vois, c'est ça ? Non, mais oh putain. Oh, ah ! Je crois que j'ai fait venir des envahisseurs en fait. En disant ça, j'ai déclenché un événement. Par contre, oh le lag. Ils sont tous blonds. C'est tous des nordiques. Mais ils sont tous jumeaux. Oh,
Chir Purin est un bourrin. Alors par contre, je crois que je vais sauver vraiment à diminuer les marques, c'est pas possible à ce niveau-là. Ouais, c'est encore plus ça s'est calmé, vous avez vu. Peut-être l'arrivée massive de personnages. Bien sûr. Encore que, vous voyez, quand je retourne comme ça la caméra. Le problème, c'est que je suis obligé de quitter le jeu pour refaire, c'est chiant. Pourtant, le PC à la base, il supportait, c'est ça qui est bizarre. Il vous faut quelque chose ? Alors, voyons, voyons. Si on arrive à se déplacer. Ce qui est pas dit. Il s'est pris une flèche dans le jeu, nous, les gars. D'où la phrase. Bon. Ça va être un garde, qui sait. Ouais, moi, je te conseillerais. Ouais, je pense que là, je vais devoir diminuer. Ça me fait chier de devoir refaire une coupure encore une fois. Eh merde, bon allez, on va diminuer, on va se mettre en normal, ça fait chier. Sans déconner. Mais c'est pour notre bien à tous. Ouais. Surtout quand on voit les FPS en bas qui sont vraiment minables. Parce que grâce à Fraps, je peux voir les FPS et... Voilà, il n'y a que quand je suis dans les menus que c'est correct. Hein, voilà. bon bah on se retrouve tout de suite. Nous voici avec des graphismes un peu moins hauts, mais visiblement une fluidité assez correcte, hein, largement même. Qu'est-ce que c'est ? Que voulez-vous ? Qu'est-ce que c'est ? Ah, t'as un œil en moins, toi. Ouais. Ah, un chien. Donc, bon, les PNJ, Rival M et tout, je pense pas que ça compte comme des PNJ rajoutés par rapport au mec, ce qu'il disait, quoi. Grand. La grange. Visitons la grange. Allons voir les vaches. Mettons des fermières dans le tas de foin. Oh bah tiens, hé. Hey. Hein, toi, tu vas y avoir droit avec tes poules. Elle se fait violer par les poules, elle, déjà. Hein, vous devez partir. Ah, pardon. T'as dit quoi, là? Je vais être seigneur, je te préviens. Vous devez partir. Parle-lui. Pas tué. Par contre, il y a pas de vous devez partir. Vous n'avez rien à faire ici. Bon, apparemment, j'ai rien à faire ici. Vous devez partir. Je partirai, mais d'abord, je voulais visiter un petit peu ton truc de merde. Ouais. Ah, ça a l'air sympa. Ouais, ça a l'air très sympa. Le balai est à l'envers. Le balai. Le coffre est à l'envers. Tu feras gaffe, je t'ai peut-être volé un truc. Au cas où. Hein ouais. Allez, à plus. Au revoir, salope. Voilà. Un petit détail par rapport à notre ami Cyr Purin. Oui. Il a les cheveux roses maintenant. Vous avez peut-être remarqué au début de la vidéo. En fait, c'est sa potion que Manny Marco lui a donnée. Ça commence à se dissiper au niveau des effets. Alors par contre, il restera toujours bloqué à cette époque. Bien entendu. Il va retrouver sa mocheté. Qu'est-ce que c'est ? Évidemment, il s'est fait arnaquer. Hein. Parlez à Dog. Hey Dog. Salut Dog. Dog. Bon d'accord. Dog veut pas parler. Casa dos Trabal. Lodes, c'est espagnol. À mon avis, il est espagnol. Il est espagouin. Espagnoles, espagnolas. Alors, les maisons se ressemblent, déjà. T'as vu la grange et ça, c'était le même système. Cela dit, la maison, elle a l'air d'être comme. Enfin, elles ont l'air quand même d'être assez personnalisées. Enfin, je veux dire, c'est pas le genre de maison qu'on croise spécialement dans le jeu d'origine. Ah, bonjour, toi. Barbu en capuchonné. Tiberius. Tiberius, Confucius, tout ça. Vous n'avez rien à faire ici. Voilà. Putain, ils sont pas très gentils, hein, les gens ici. Hein. N'hésitez pas encore roi, c'est peut-être pour ça. Quand je vais devenir roi, vous allez changer de ton. Hein, parce que sinon. Bah, la Kélia, déjà, elle va avoir droit à une sorte. Sinon, voilà ce qui va se passer. Voilà. D'ailleurs, je vais baisser le son parce que sinon, vous allez avoir un écho à la con. Test par rapport à ça. On va dire que c'est correct. De toute façon, c'est le full slowdown. Avec la voix de Notorious Jack qui porte bien, je devrais pouvoir régler le son. Tout à fait. Ce qui est pas de soucis. Ça veut dire quoi, ça? Que j'ai une voix de... T'as une voix qui est très bien adaptée aux vidéos. Très bien. Alors avant d'aller au château, je vais visiter, voir s'il y a d'autres boutiques. Bon, vous avez vu, la fluidité n'est pas du tout la même. Hein. Il y avait vraiment besoin de diminuer les graphismes. Voilà. Puis bon, les textures restent assez correctes. Alors là, on est sur les murailles de la ville. La muraille de Chine, à Pandour. Oui. Pandour. Que voulez-vous ? Je veux rien. Pandour. Je peux vous aider ? Et t'as vu, il te salue quand tu passes. Ouais. Je peux pas y aller là. Ouais, bah non. Il y a un mur à. Si je tape, ça fait. Faites attention. Ouais.
Riverheim. Oh, c'est l'extérieur. D'accord. Bon, on va peut-être rentrer par l'entrée principale, ce sera peut-être mieux, non? Ouais. Ah, bien, le mec, il a pas... Attends, regarde sur la... Enfin, non, pas là. Non, c'est pas ça que je voulais te dire. Non, non, mais... Vas-y, dis-moi. C'est que, regarde, de l'autre côté de la muraille, s'il y a peut-être autre chose. Que voulez-vous? Tu veux dire que je fasse le tour par là? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Je par l'autre côté. Pas. Voilà, tu sais, quand t'es passé par un chemin. Là, là. Non, oh bon, laisse tomber, continue le tour. Je peux vous aider. Là, il y a une échelle. On peut monter ou pas? Non. Tu sais qu'il y avait une échelle, que, je crois que c'était un modeur qui avait fait ça. Voilà, là, t'es passé par là. Essaye à droite de l'escalier. Voilà. Voir ce qu'il y a. La porte d'entrée. Ça a l'air de ramener ici, ouais, effectivement. Là, bon, on va retourner là-bas. Hein. Voilà. C'était la petite pause. Alors. Statue de Dibella. Oh, elle est belle. Qu'est-ce que c'est? La déesse du cul. Grave, je l'adore. Riverheim. Allez, c'est parti. Oh.